Ah bah t'es là toi. Ah mais non, c'est vrai, je suis tout seul. Je suis pas encore assez connu pour avoir un caméraman. Bon, bah, on va commencer cette petite vidéo au fil rouge en te montrant un petit peu ce que j'ingurgite les semaines où je suis en pseudo sèche. Donc là, tu vois, je viens de me réveiller, c'est 7h20. Et je vais attaquer par le godet d'eau. Donc je vais me prendre 700 ml d'eau et je vais remettre 200 ml derrière pour faire 1 litre. Donc je prends ma flotte avec un petit peu de pulco. Et derrière, un petit peu de curcuma. Hop. Ça, c'est bien un rituel que j'ai depuis au moins, j'en sais rien, au moins 5 ans. Viens, je t'amène. Je t'amène là, toi. Viens, suis-moi. Je suis ça un petit peu. Derrière ça, je vais me prendre une gélule d'oméga 3 et une gélule de ZMA, zinc magnésium. Santé copain. Alors, suite à ça, on va commencer à la gamelle. Je prends une petite poignée d'amandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 amandes. Alors, je vais bientôt attaquer le zéro glucide, mais pas encore. Il reste encore une petite semaine avec du sucre. Et là, tu vois, je vais mettre une cuillère de flocons d'avoine. Hop! Derrière ça, je vais mettre une dose de whey isolate. Et copains, ben, on a presque terminé, hein. On a presque terminé. Je mets un peu de flotte. On remue. Et on met au micro-ondes. Et donc, nous voilà avec la tambouille. Flocons d'avoine, des amandes. Je vais mettre une demi-banane que je vais foutre dedans, hop, et un demi-kiwi. Voilà pour le petit déjeuner. En temps normal, quand je ne suis pas en sèche, je vais mettre deux cuillères de flocons d'avoine, je vais mettre une dizaine d'amandes, une banane entière et un kiwi en entier. Là, j'ai réduit très progressivement, j'ai attaqué fin mai. On est début août, à réduire vraiment, vraiment, vraiment les quantités et le sucre. Et là, à partir de, ben, dans quelques jours, je vais supprimer et la banane, et le kiwi, et le flocon d'avoine également. Je vais passer à que des blancs d'œufs le matin, avec un poivron. Je vais être content du voyage. Progressif, mais ça marche, je perds. J'essaie de conserver un maximum de masse musculaire. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être l'entraînement avec mon collègue Mathieu, qui va me suivre de lundi à vendredi, dans tout ce que je fais, sauf pour la diète. Donc les copains, j'attaque ce premier repas de la journée et on se retrouve bah, à 10h30 pour le deuxième repas. Alors, nous voici au travail. Je suis en salle de pause pour mon deuxième repas.
de la journée. Donc pour ce deuxième repas, je prends du beurre de cacahuète. Alors j'en prends très peu, hein, je vais vous montrer. Donc, il est un peu sec là, en ce moment. Mais en gros, on va dire une petite, ce qu'on appelle avec mon collègue, la cuillère de gorée. Donc en gros, bon là il n'y a pas grand chose parce que c'est assez sec, hein, mais l'équivalent d'une cuillère à soupe. Riche en protéines, très grosse valeur nutritive. Quoi d'autre? Des graisses très saines. Non, vraiment, le beurre de cacahuète, c'est recommandé autant en prise de masse qu'en sèche. Et voilà, donc c'est mon deuxième repas à 10h30 et ça va m'apporter beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas l'impression, mais juste une petite cuillère comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour tenir toute la matinée jusqu'au troisième repas. Voilà les copains, je vais m'empresser de manger ma cuillère de gorée. Les copains, il est midi. Alors, je ne vais pas compter ça comme un repas, mais je me prends toujours une petite protte avant de faire la science. Je la digère plutôt bien, assez rapidement. Donc j'ai pas besoin d'attendre la fin de la séance pour la prendre. Donc toujours de la whey isolate. Comme ce matin, je mets à peu près une scoop, une grosse scoop. Hein. Il y a 35 grammes largement, 40 grammes bois. Et je prends un peu de créatine, même en sèche. Alors là, c'est même un mix créatine-glutamine. Donc je me mets une petite scoop, il y a un peu plus de... environ entre 5 et 10 grammes, quoi. Donc voilà, donc juste avant l'entraînement, avec pratiquement 600 ml d'eau. Ce qui va m'apporter un peu d'énergie pour l'entraînement. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, parce que tout simplement ils digèrent mal. Et ils n'ont pas envie d'avoir... forte digestion pendant le training. Moi, c'est vraiment un truc qui ne me dérange absolument pas du tout. Santé, les copains. On est parfait. Je sais pas comment mettre, mec. Non, il faut qu'on... Je suis crispé de ouf. Faut qu'on soit détendu. T'es prêt? Vas-y. Bonjour, mes amis. Nouvelle vidéo. Comme promis, vis ma vie de Franky mon kiki pendant une semaine. Alors, c'est mon collègue Mathieu. On se connaît depuis maintenant un an. Ouais. Ça fait un an qu'on travaille ensemble. Ça fait un an qu'on s'entraîne. On a fait de la course, on a fait de la musculation, on a fait du crossfit ensemble. Il part pas de zéro, mais en musculation, on peut dire que si. Hein. Donc là, le but, clairement, ça va être de vivre ce que je vis pendant une semaine entière. Tous les entraînements calibrés en musculation. Il va suivre mon programme push-pull-leg avec un travail d'épaule, mais vraiment poussé. Je vais rester sur des exercices assez simples. On va avoir du développé couché, du dips, des écartés, vraiment des choses qui marchent pour vous, qui marchent pour moi et qui vont marcher pour Mathieu. J'aime pas trop les trucs un petit peu farfelus. Donc là, je vais faire vite fait un tour d'horizon. C'est notre antre, c'est notre local. Donc c'est sûr que ça, c'est pas très conventionnel, on n'est pas avec des appareils et des machines dans tous les sens. Mais là, mesdames, messieurs, ça sent la poussière, ça sent la sueur, ça sent le sang. C'est là, c'est avec ça qu'on s'entraîne. Voilà. Et on arrive à avoir des résultats. Donc ce qui est très sympa, c'est que je prépare une petite séance shooting le 23 août de sèche. Donc je vais attaquer une phase très agressive, je vais avoir peu d'énergie et ça va être en relation avec ce que va faire Mathieu, c'est-à-dire que je vais le pousser, mais il va falloir que lui me pousse à aller chercher les dernières répétitions qui vont être très difficiles. Mathieu, oui. Un, deux, trois petits mots. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être dur. Ça va être dur. Après, mais je ne suis pas une salope, donc je vais y arriver. Il l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. C'est pas une salope. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. À savoir qu'on s'est déjà quand même beaucoup entraîné ensemble. Oui, alors, deux semaines. On a commencé à voir les bases en musculation, mais là on va vraiment rentrer dans le détail pur et vraiment la congestion qui va être maximale. Allez, trêve de bavardage.
on s'échauffe et on attaque le programme du lundi qui sera pec triceps. C'est parti. Comme je t'ai appris, nickel. Voilà. Tu chauffes bien. Change de bras. Voilà. Nickel. Voilà. Comme si tu mettais un revers de tennis de table. Pan ! Ok. Rotation cubaine, tu t'en souviens ? Oh putain. Ah ouais, ouais, je te prends le cours là. Voilà. Comme ça. T'es pas mal. Il faut que je monte. C'est ça. Alors attention. Vas-y. Hop, voilà. Et tu fais juste bouger ton. Voilà. En descend bien, complètement. Hop, okay. Voilà. Hop. La jolie rotation cubaine. Recule, prends de la tension avec l'élastique. C'est mieux. Voilà. Échauffement indispensable, messieurs, dames, avant un travail, même d'épaule ou de pectoraux, peu importe. Rotation cubaine et la coiffe des rotateurs. Alors, pour cette première série, sur les 4 qu'on va faire, en gros, tu vas me faire 12 répétitions. On a mis volontairement moins que d'habitude, 45 kg, tu vas me faire 12 répétitions en tempo lent. Ok ? Ok. C'est la seule contrainte que je vais te donner sur cette première série. Et ben c'est parti. Les pieds bien ancrés. Et on est parti. Donc, 1, 2, 3, ralenti. 4, c'est ça. 5, 6, 7, encore. 8, 9, 10, 11, et de 12. Et tu poses. Première série validée. Deuxième série, c'est simple. On va rester au même poids, donc 45 kg, et tu vas me faire une demi-rep, je ramène une rep entière. Ok, on va essayer de monter jusqu'à 10, ça va être très très dur. Tu vas faire ce que tu peux. Ok, c'est parti. Allez, une demi-rep. Une. Deux, tu peux mettre du rythme. Trois. Quatre. Cinq. Six. 8, 9, allez, et de 10, super, parfait ça mon mat, deuxième série validée. Alors moi je suis un programme un peu différent, je fais de la montée en charge, et j'essaye de faire un maximum de répétitions à chaque fois, à 3, 1, 2, 3, allez hop, allez, je suis là. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez. Tu l'as. Une dernière avec toi. Allez, une dernière. Tu l'as. Allez. Magnifique. Yes. Magnifique. Troisième série. On a mis 50, pas de consigne particulière, tu vas essayer d'aller en chercher 10, tempo normal, voire un peu lent. Tu me dis, 1, 2 et 3. Voilà, bien en dessous des becs. C'est parti. Et 1, 2, 3. 6, encore. Une dernière, tu la maintiens bien. Descends là tout doucement et c'est moi qui vais te la remonter. Pousse. Reste droit. Super, j'ai. Nickel. Quand tu pousses, on a tendance à vouloir se déhancher. Il faut qu'on essaie de vraiment garder le bassin gainé.
Et c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, parce que là, tu commences à être cramé, hein. Alors, avant de te lancer, là, on a mis 60 kilos sur la barre. Le but, ça va être vraiment d'arriver à en faire une, deux, et la troisième avec moi. Tu commences à être cramé, c'est la quatrième série, et on va faire de la décharge. Ok? Ok. Tu suis mon rythme, et c'est parti, mon kiki. Positionne-toi bien, les pieds bien à plat. Voilà, tu peux presque décoller ton bassin, tellement t'es. Voilà, t'es bien. Et la barre, tu l'amènes bien en dessous de tes pecs. C'est moi qui la sors. Voilà. Allez, je t'accompagne. Pousse. Une, facile. Deux, facile. Je suis là. Allez. J'ai. Techniquement, t'es bien, t'es moins tendu. On souffle. Voilà, tu te détends. Je prends le temps de décharger. Hop. Et ben, tu repars pour au moins deux. Je te l'amène bien. Voilà. Vas-y. Un. Encore. Encore. T'as du jus. Reste droit. Suis bien mon doigt. C'est moins qu'est. Voilà. Je mets volontairement les deux doigts pour que quand ça soit lourd, ça soit toi de travailler au maximum. On décharge. Allez, tu souffles. Je remets 45. C'est moi qui la lève, c'est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, reste droit. Ici. Voilà, c'est mieux. C'est pas fini. Il en reste une. Allez, je sais que c'est dur. C'est la dernière à l'échec. Tu souffles. Voilà, je te dis qu'on repartir. On temporise. 8. 10. C'est parti. Allez. Tu pompes. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8, 9, encore, 10, encore, allez, super, voilà, ça c'est un bel échec, joli mon Matt. La dernière pour moi, même travail que Mathieu, tout en décharge, et tout à l'échec. Commandement. Je me positionne bien. C'est parti. Une dernière. Allez, une dernière. Je suis avec toi. Magnifique. Donc 10, tu remplaces par 5. Et ben je suis reparti. Allez. Hop là. Allez. Une dernière. Allez. Tu l'as. Tu m'enlèves les deux 5. C'est parti. Allez. Attention. Ouais. Une dernière. Allez. Pousse. Bien joué. Hop, je m'enlève. Allez, tu m'enlèves les 10. Et je finis à 50.
C'est parti. Allez. Parce que tu te fasses pas gêner par le... Voilà. Descends un peu sur le banc. Pour pas que tu sois gêné. Voilà, c'est mieux. Allez. Les coudes près du corps. Voilà, c'est mieux. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pas besoin d'incliner vraiment beaucoup le banc. 30 degrés, c'est largement suffisant. Super. Allez. Encore 2. Ok, tout de suite derrière, tu poses, sans temps de récup, ou pratiquement, des jolis écartés. Le banc là, incliné légèrement plus, tu te rappelles, c'est parti. C'est bien ça. 1, allez, ramène pas trop tes bras. Top. Voilà, tu gardes la belle tension. Allez. C'est bien ça, Matt. Allez, je sais, ça tire. Encore. Pense à pas ramener vraiment tes bras. Encore. Allez, va les chercher. Super. Visualise tes pecs qui sont contractés. C'est très très important, cette connexion. Encore. Super ça, mon Matt. Ton ressenti ? Ça attire bien les écartés, c'est là où j'ai le plus de sensations. Ouais. L'incliné, bon. J'aime bien aussi. Donc. Tiens, vas-y. À moi. À moi, mon copain. Ça va mal se passer, mon copain. Ça va mal finir, mon copain. Ça va mal finir, mon copain. Huchet. Carrosserie. Et ben, on est parti. La première, je la compte jamais. 1. 2. J'essaie de pas descendre trop bas pour pas trop engager mes triceps. Là, je suis vraiment sur un travail pectoral. Et derrière, des jolis écartés. Mets-toi en place, prends tes haltères, tu vas m'en faire 8, pareil, demi-rep, rep entière. Ok. Ok. C'est moi qui te donne le tempo pour le rythme. Allez. C'est parti. Demi. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Attention, va pas trop vite. 8, 9, et dernière, et tu poses. Tu vois, je t'avais établi sur 8, t'es allé chercher les 10. L'écarté, pas de conditions particulières. Salut. C'est parti. Tout de suite, sans temps de récup. Et allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, ça j'aime. Le tempo lent. Après pratiquement 20 reps. Allez, t'es à 4. 5.
6. 7. Ouais. 8. 9. Tu vas à 12, hein. 10. Allez. 11. Et le 12. Bon, et ben, troisième exo. Le dips, comme t'as pas assez de force pour le faire au bar, on va le faire sur le banc. Un exercice qui est plutôt efficace. Mets-toi en position, les jambes pas trop tendues, plie un peu tes jambes. Voilà. Et normalement, même si je te tiens avec ça, tu devrais. Vas-y. Allez. 1, 2, 3, c'est très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, 3 séries comme ça. 3 séries, moi je vais faire le dips là-bas. Allez, un peu de dips. Je vais essayer d'incliner un peu mon buste pour travailler la partie basse des pecs. Mais on va faire un hybride triceps et bas des pecs. Donc je me penche un peu et c'est parti. Allez, je suis là. C'est parti. Descends bien. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. Contracte les abdos. 6. 7. 8. 9. Tu vas jusqu'à 11. Hein. Même jusqu'à 12. Hein. Allez, va les chercher. Et c'est bon, j'enlève. Deuxième validé. Donc je sais que c'est un rythme assez soutenu pour mon copain. En plus, on est timé, on doit reprendre le travail. Donc on est obligé de mettre un peu de gaz, surtout qu'on fait les transitions avec la vidéo en même temps. Donc j'en demande beaucoup, mais il tient la route. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc comme je disais, le truc, c'est les gens sont crispés. Et en général, on les voit. Alors j'exagère, hein, mais ils font ça. Donc là, on abaisse les épaules. On se penche légèrement en avant et on bloque les avant-bras. Et là, je vais toujours travailler avec ce pic de contraction. Donc, 2, je bloque. L'avantage de la corde, c'est qu'on peut aller revenir chercher bien plus loin qu'avec une barre en général. Voilà. Et en général, sur cette phase de sèche, je travaille toujours comme ça, avec un pic de contraction, au moins 2 secondes, et je remonte. Mon but, c'est de vraiment faire du temps sous tension. Ok. Alors, pour cette deuxième série, je vais te demander un pic de contraction, comme je l'ai fait juste avant. Même si tu fais moins de répétitions, on table sur 8, mais t'essaies de vraiment marquer la pause. C'est parti. 1, je bloque. Et je remonte doucement. Tu souffles. 2. Les avant-bras seulement, pas tes épaules qui montent. Je veux pas qu'ils bougent, c'est mieux. C'est pas mal. Tu bloques, tu contractes. Allez. Penche-toi un petit peu en avant, le buste en avant. Voilà. Et tes bras, tu peux légèrement les faire basculer en avant. Pas forcément coller au corps. Allez. Encore, je sais que c'est dur. Là, à mon avis, tu deviens cramé. Voilà, tu vois, la dernière parce que tu t'aides des épaules sinon. Et tu relâches. Oh, ok, super. Tu souffles. Et on va faire la dernière. Ça va mon Matt? On est presque au bout. Hein. Et tu sais qu'on a le final. Hein, le challenge final. On arrive bientôt au terme de l'entraînement. J'aime bien finir par un finish. Finish up, toujours. C'est la base. Un rituel. On doit travailler dans une sens du gainage, soit de la traction, soit de la pompe, soit du squat. C'est vraiment des exercices de base qu'il faut intégrer à chaque entraînement. Je sais qu'on est cramé, on va faire ce qu'on peut et un maximum
de répétition. Mon copain, ça va mal se passer, mon copain, tu le sais. Hein. Ça va mal terminer, mon copain. Donc, moi, sur les poings, deux fois la largeur des épaules, et c'est parti. Et on va pas trop vite. Et toi sur les genoux. 3 secondes. Allez. Tu les ralentis au pire. En 3 secondes. Tu descends, tu t'écroules, tu remontes. Allez. 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 C'est ça qui est beau. Est-ce qu'on a, on n'aurait pas le droit à la poignée de main? Ah ouais, attends. Donne-moi 2 secondes. À genoux comme des hommes. T'es prêt? Allez, vas-y, Francky. Yeah! Première séance validée! Mes amis, troisième repas de la journée. Donc, c'est 13h30, juste après le sport. En gros, on va retrouver la même composition pratiquement toute l'année. J'ai, selon les saisons, forcément. Donc là, on en était. Il y a de la tomate, poivron, de la salade verte classique, quelques noix et une demi-boîte de thon albacore. Voilà, uniquement pour ce troisième repas, juste post-training, que je vais aller déguster avec mon responsable et on va aller se mater un petit manga au calme. A tout à l'heure pour le quatrième repas, les copains. Les amis, quatrième repas de la journée que je vais m'empresser de vous montrer de suite. Je le prends en général vers 17h15. Savoir que le soir chez moi je mange assez tard, vers 21h15 en général. Donc j'essaye d'espacer mes repas tous les 3h, 3-4 heures. Comme je l'expliquais à beaucoup de monde, je mange régulièrement, donc 5 à 6 repas dans la journée. Notre corps c'est comme une chaudière en fait, avec une trappe qu'on ouvre et on met du charbon. Et en fait, on brûle de la calorie. Donc le but, c'est pas de se goinfrer sur 3 repas, c'est de manger des petites quantités, même hors période de sèche, pour pouvoir brûler un maximum de calories. Donc là, pour ce repas, ce quatrième repas, c'est la continuité de ce que j'ai mangé ce midi, c'est-à-dire qu'on retrouve des poivrons, quelques tomates qui sont en dessous, la demi-boîte de thon albacore que j'ai prise ce midi, eh ben, elle est là pour 17h. En gros, le repas de midi, je le scinde en deux et je mange à 13h30 et à 17h15. De la salade, donc voilà. C'était pas prévu au bataillon, mais j'ai une collègue qui a laissé ça. Un demi-avocat dans le frigo et tout le monde a dit « Oh, c'est quoi ça? Il est noir, il n'est pas mangeable. » Franchement. Je pense qu'il y a un peu d'abus, non? Donc je vais intégrer ça, ces bonnes graisses, dans ma collation de 17h. Ça tombe très bien, je n'avais pas mis de noix cet après-midi, et je vais ajuster en fait mes lipides ce soir. Donc je ne remettrai pas de noix ce soir également, parce que c'est quand même assez riche, donc c'est du très bon gras. Il faut savoir que les avocats, bah, hors sèche, j'en mange énormément. Je réduis parce que bah, sur la balance calorique, c'est quand même assez lourd. Là, je vais l'intégrer parfaitement dans cette collation, ça va me faire du bien. Donc les copains, petite goûter fraîcheur qui fait énormément de bien. Et après ma sèche, de toute façon, je vais garder les mêmes quantités. Je vais juste rajouter des féculents à chaque repas pratiquement. Là, comme je réduis au maximum mes glucides, c'est pour ça qu'il n'y a aucun féculent ni le midi, ni l'après-midi et ni le soir. J'ai que des flocons d'avoine en féculents. Petite bouteille d'eau, je vous la montre parce que... Il faut savoir que je bois entre 6 et 7 litres par jour, et ce n'est pas des conneries. Surtout que là, on est en plein été, on est le 5 août. Mais que ça soit au mois d'août, ou au mois de novembre, ou au mois de décembre, peu importe, 6 litres d'eau. J'ingère beaucoup de protéines, puis mon corps est
t'habituer maintenant à boire énormément. Ça me fait du bien aux articulations, ça me fait du bien musculairement. Certains disent c'est un peu trop. Moi, je pense pas. Je pense que pour mes 81 kilos, c'est vraiment... Et puis avec la sudation que j'ai, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Je pense que 5 à 6 litres avec mes entraînements, c'est vraiment pas déconnant. Trêve de bavardage. Allez, j'attaque ce quatrième repas, les copains. Des bisous. Bonsoir, les copains. Avant-dernier repas. C'est à peu près 21h15. Donc, rituel de tous les soirs. Je prépare mon assiette du soir, le tube de demain midi et le tube de 17h. Ça me permet en fait d'équilibrer assez facilement. Ce qui nous intéresse, c'est ce soir, j'ai choisi une source de protéines des œufs. Je me suis tâté, pourquoi ? Parce que j'ai mangé un demi-avocat tout à l'heure à 17h. Et ma source de lipides, je l'ai atteint. Je l'atteins clairement avec les amandes que j'ai mangées ce matin. Donc, comme le jaune est très riche en lipides, je me suis dit, pourquoi pas manger des protéines végétales. Mais je ferai ça demain. Je ferai ça demain en général, avec ma femme, on tourne un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va faire un jour des œufs, un jour des protéines végétales style haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, etc. Un ou deux jours de poulet. De blanc de poulet, important et indispensable, et un jour poisson blanc, ça peut être un petit filet de cabillaud ou autre. Donc encore une fois, pas de féculents ce soir, ni demain, là j'attaque vraiment une phase de décharge complète sur 3 semaines, où je vais faire du zéro glucide, je vais garder encore cette semaine les flocons d'avoine seulement, et je vais supprimer tous les fruits. Donc des œufs en protéines, des poivrons. Vous allez dire, putain, il en mange des poivrons, le mec. Ouais, c'est de la vitamine C. C'est de la bonne vitamine C. Il faut savoir que dans un poivron, il y en a plus que dans une orange et que dans un kiwi. Des brocolis, pareil, bonne source de vitamine C. Et la salade, simple, ça me cale. C'est un pouvoir de satiété incroyable. J'ai mis quelques noix pour demain. Ça sera mon lipide, principalement. Ce soir, les jaunes d'œufs seront les seuls lipides de la soirée. Et quelques petites tomates. Voilà pour ce cinquième repas. Je vous montrerai quel est mon sixième repas. Surprise. Et j'ai hâte de manger parce que j'ai très faim, les copains. Allez, à tout à l'heure. Les copains, on arrive au terme de cette journée dans ma peau au niveau nutrition. Je vais finir donc cette soirée par un petit shaker, cette fois-ci de caséine. Donc je mets un peu d'eau, j'essaie de pas trop abuser. Je mets entre 300 et 400 ml, parce que je vais quand même me coucher. Et j'ai bu une tisane au curcuma juste après mon repas, pour une bonne digestion. Donc la caséine à diffusion lente, c'est vraiment en plus un spécial, celle que j'ai pris nuit. C'est intéressant pour justement conserver au maximum des gains musculaires. Alors c'est pas parce que je prends de la caséine sur 2 semaines que je vais avoir des résultats fous. Il faut y prendre sur 4 mois. Donc un scoop entier. Voilà, j'ai la main. Pas la main légère sur ça, pas déconner, parce que mon but c'est de sécher et c'est de pas perdre mon volume musculaire. Donc il me faut un gros quota de protéines, et de temps en temps je rajoute même un petit filet d'huile d'olive, parce que l'oméga 3 en fait ralentit la digestion des protéines encore plus. Je vais pas le faire pour ce soir, mais souvent je mets un petit filet d'huile d'olive dedans. Je vais m'octroyer, encore une fois comme ce matin, une seule gélule par contre de zinc, magnésium, ZMA. Allez, on check ça. Et 23h15, grand max, chaud dodo. Les copains, à demain. Pour la journée d'Audet Alphonse avec mon collègue. Là, je vous aurai montré un petit peu ce que je prends
en général, sur toute ma vie. Voilà, là c'est une période de sèche, donc les quantités sont très réduites, mais il faut savoir que toute ma vie, ça fait 20 ans que j'ai ces petits rituels de prise de protéines, de prise de fibres, de légumes. Je ne pèse jamais rien, je fais tout à l'œil, je sais plus ou moins combien de calories je suis, et vous voyez, je ne prépare pas une compétition officielle, je prépare juste des shootings photos. J'ai pas besoin de me prendre psychologiquement une balance et de me dire au gramme près, il faut ça, il faut ça. Je sais réduire, je connais mon corps, j'ai déjà fait beaucoup d'expériences, il n'y a que ça qui marche, faire ces expériences sur soi-même. Assez parlé, ma femme dort en plus de ça, je prends ma prot et je vais au dodo et je vous dis à demain. Des bisous.